Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Game Découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cube. Cube 2 précisément. Allez, c'est parti. Alors, le jeu est en français, sauf les voix. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, je suis où? Et surtout, où faut que je me rende? Il y a un drapeau, on va aller voir ce qu'il en est. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait sur Mars. C'est tout rouge. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis où? Je vais où? Cette grande tour. Ah ben ça commence bien. Dans quel guépier je suis fourré moi? Oui, il s'agit d'un jeu offert actuellement par l'équipe Epic Game Store. Donc, autant en profiter. Tant que c'est gratuit, c'est toujours bon. Ah, sympa le rendu de brillance comme ça. Ouais, ouais. Alors, je suis le tuyau. Dans quoi je m'engouffre? J'adore ce rendu de brillance sur le décor. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Le halo lumineux est très très bien fait. Alors j'ai un indicateur bleu dans le coin, je sais pas du tout ce que c'est. Une porte s'ouvre, ok, très bien. Bord d'avance. Tic 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 tic. Ok. Donc voilà, un point de sauvegarde. Très bien, très bien, très bien. Alors. Ok, d'accord. Ah ouais. Ça doit faire un petit peu comme dans Portal. On a différentes couleurs pour différentes actions. Voilà, hop. Hop, un
un petit peu des passages à la quoi avec les rebonds comme ça. Et voilà. Donc oui, pour l'instant, c'est relativement facile. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, hop, hop, hop. Waouh, j'adore ce type de décor. Ok. Alors... Ok, d'accord, on peut faire comme ça. Voilà, très bien. Alors, poursuivons. Je pense qu'au fur et à mesure, ils vont durcir les énigmes. Détériorée là, espèce de petit glitch vidéo. Ah ouais, donc avec la roulette on fait défiler, voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc on alterne avec la roulette pour choisir entre le bleu et le rouge, au chaud d'eau froide. Alors les musiques sont très simples. Alors, hop, j'ai été un peu loin. Pour aller évoluer. Hop là, je vais trop loin. Donc on peut non choisir qu'un seul, ok, d'accord. Voilà, hop. Très bien, très bien. Ma foi, c'est fort sympathique. Voilà, on monte, on monte, on monte, on monte. Waouh. On n'en finit plus. Une musique pas du tout agressive pour progresser, voilà. Justement, ça permet d'être pris au jeu. Alors, un ascenseur. Voilà, hop. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors, si je comprends bien, il faut aller en face. Donc, on va mettre... Ah, d'accord. Voilà. Oui, bon, pour l'instant, c'est relativement simple. Ça risque de se compliquer au fur et à mesure. Voilà, hop. Alors, on va faire... Ouf, ok. Voilà. Hop, voilà, par ici. Emma, reading you loud and clear. Making progress, I think. Alors, je progresse dans ce labyrinthe cubique. Ah, mais j'adore cette lumière qui réfléchit au sol. Là.
Waouh. No, I don't. C'est gros beau. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? Damn it, this stupid thing. Let's continue. Voilà. Ouais, ce serait logique de faire comme ça. Hop. Voilà, hop. Bon, pour l'instant, ça va, je gère la fougère. Hop. Bon, l'habitude des FPS, ça y fait quand même. Hein. On sent bien le moteur Unreal qui est présent, hein, ça c'est clair et net. Je vous laisse écouter cette musique. D'accord, en vert, on fait apparaître un cube. D'accord. Par où est la sortie? Qui est par là? Oh, ben on veut utiliser le rebond, voilà. Eh, hey, bien vu! Bien vu, ça. Alors, et là? Non, on va faire comme ça. Voilà. Ah, il faut se creuser un peu la tête. Donc on se retrouve sur un jeu qui ne possède aucun HUD, de barre de vue ou quoi que ce soit. Alors, non, voilà, hop. Hop. Voilà. Ah. Ok. Bon. Alors, on va faire comme ça. L'idée peut être bien intéressante. Alors, ah, zut. Juste. Là. Voilà. Ouf. Des fois, faut pas avoir trop le vertige, faut tenter des trucs un petit peu osés. Alors. Bon, oui, ça c'était facile. Ah. Voilà. Ensuite.
Je vais être trop court. Zut. Donc, alors qu'avons-nous ici? Ah oui. Alors, on va faire comme ça alors. Ah ouais, bien vu ça. Bon, les blancs propulsent très haut. Donc là, c'était une petite formalité. On va voir un petit peu ce qui se passe. Un décor un peu différent de végétation. Dans ce monde cubique, froid et austère. Waouh! Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et les musiques, ouais. Y'a rien à dire. On est dedans. Voilà, on sauvegarde. Voyons voir ce qu'il en retourne, un dernier petit ascenseur. Allez, c'est parti. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Une troisième couleur. Effectivement. Voilà. Et là. Nous y voilà. Ah mais non, on va faire différemment. Bien vu. Donc oui, vous aurez compris, le principe est relativement simple en théorie, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors, voilà. Gérer le coup des trois couleurs. Pour l'instant, trois couleurs, ça va. Peut-être que par la suite, ils vont en rajouter une quatrième. Allez savoir. Je dois avouer que je suis assez friand de ce type de rendu d'image. Très épuré, avec des couleurs
en bordure assez flash, n'est pas sans rappeler un certain Nero Rage. Ah, ces techniques là. Là, j'avoue que et voilà. Au fur et à mesure, les énigmes pour progresser se durcissent. C'est tellement, tellement joli que voilà. Ah, on peut supprimer le cube maintenant, une nouvelle fonctionnalité. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ça va être relativement simple ou pas. Je ne sais pas. Ah. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Et puis, je ne vais pas vous non plus vous montrer toutes les énigmes à passer. Car sinon, ce ne serait plus une découverte. Allez, je vous dis sur ce, les amis. Amusez-vous bien. Bon jeu. Bye bye.